On se bat à Dakar, Carcassonne. On a déjà fait tout le bâton, hein. C'était pas agréable, hein. Je n'ai rien vu de bon là-bas. Il fait bon vivre à Carcassonne. Oh. Allez. Tout bien. Quand mamie est là, tout est bon, hein? N'est-ce pas? Viens, va, viens, viens, viens ici. On passe par ici. La façon que Namungo a avalé la crêpe, c'est comme si ça fait des années qu'elle n'a pas mangé la crêpe, hein. Ouais. Nadji, je profite bien même. Il fait très beau dans le sud de la France. Alors là, il fait très beau, hein. Vraiment. Les bateaux de promenade sont encore nés. Bah oui, tu crois que je veux partir avec toi encore? Non, plus là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas dedans. Bah oui, la dernière fois on a fait deux bateaux, on a fait celui-ci et on a fait l'autre côté là-bas. Il n'y avait rien de bon. Il y a les bateaux, mais on n'a pas payé, on n'a pas encore payé. Viens, viens, marche de ce côté. Voilà. Là, je suis rassuré. Là, si tu tombes dans l'eau là, tu connais pas la profondeur. C'est quoi, les commentaires, vous êtes où? Vous ne voulez pas dire bonsoir, Namungwe? Il y a quoi? Ça ne chauffe pas avec la veuve joyeuse. Pipitologue, toi tu t'assois là-bas, tu dis que quoi? Maman, vous connaissez le conte qu'on appelle. Le conte là s'appelle le conte Inspecteur Colombo, il y a des années. Là, il y avait ma nudité chaque jour. Là-bas. Qui a créé ça? C'est toi qui avais ça dans le pipitologue. Lolo, il faut jamais créer un compte à nos dames. On appelle ça Inspecteur Colombo. T'appelles ces réseaux sociaux, je crois que ça a été dissous après. Comme Lolo est d'une jalousie maladive, que je maladive. Elle me publiait là-bas chaque temps, avec Otam. Et tu vas pleurer quand on publie ta nudité. Non, je vais encore publier, mais encore bien ta nudité ce jour-ci. Je vais faire quoi au monde entier? Tu sais, tu as l'audience, hein, Lolo? Moi aussi j'ai une audience. Je vais dire qui a d'abord commencé à publier. C'est toi qui a d'abord commencé à insulter les mamans. Viens là. Marche là-bas. Tu vas commencer à publier les mamans de nuit. Tu vas commencer à salir maman ici. Tu as insulté maman Emilienne ici. Oui. C'est un peu qu'on doit valoriser. Vous connaissez le compte qu'on appelait Inspecteur Colombo à l'époque, à Facebook. C'était le compte de Nono. Comme elle était jalouse. Là-bas, avec autant, parce que je vous dis comment ça se passe, il y a sur le clé du subé. La clé du subé que vous voyez là. Donc, autant, il est parti lui une chambre avec un matelas chez une femme qu'on appelle Félicité Fosso. Celle qui m'avait filmé en train de prendre un débat. Écoutez-moi très bien l'histoire. Donc, tu te dis quoi là-bas? Hein?
va faire le tour, d'accord? On va revenir au parc, hein? Tu finis de manger. Tu ne veux plus? Mange alors. Mange, mange. Tiens, ça va demain. Bravo, mange. Comment tu veux te montrer quand ma pubie est nue? Mais tu es méchante, Lolo. Tu es méchante, plus méchante quand on n'existe pas des réseaux sociaux. Je veux raconter une histoire. Donc, on t'a même parti lui une chambre. J'ai une petite qui appelle Félicité Fosso. C'est qu'on avait fait des programmes, elle m'appelait Maa Crapola. C'est qu'on avait filmé en train de prendre un débat. Parce que j'étais avec quelqu'un, on faisait le débat ensemble. On était à deux. Mais elle m'a filmé. Elle s'appelle Félicité Fosso. C'est comme ça que le gars va habiter là-bas. J'ai Félicité Fosso, une petite chambre que. Donc, comme le salon était blanc, ils ont diminué le salon, ils ont fait ça une chambre. Autant pas l'habiter là-bas, autant baise avec Félicité Fosso. Et comme il n'avait pas l'ordinateur, maintenant il avait accès. Parce que la fille, à l'époque, on faisait toutes les annonces. Les Alvin Tanker, tous ces filles-là. Mais demain, tout le monde a fait des annonces là chez la fille-là. Donc quand tu arrivais, elle te filmait. Oui, elle te filmait, on faisait des annonces avec nos propres photos. À l'époque, on jouait avec ça. C'était ce Nia Model. Nia Model. Mange, mange, chérie. Tu suces les mains, hein. Après, tu suces les mains. Voilà. Voilà. Tu vois? Encore. Tu suis bien. Hein? Tiens. Donne le mouchoir. Je vais vous raconter l'histoire. Fiche-moi la paix, dis donc. Tu me nourris. Brasa, tu ne commandes pas mes sujets de l'autre. T'as cette putain de merde. Alors, tu me donnes quoi? Va chier, va lécher le pète dans le lot pipi, tu entends? Et pour le nouvel langue, ma cassa par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Elle dit que va lécher le pète blanche de l'eau foja. Je veux la dénoncer avant au tam. Tu entends? Je pas peur de toi. Regarde-moi une saleté. Oh, meuf, regarde mon mur. Ne viens plus jamais commenter chez moi. Sale chienne, meuf. Je n'ai rien dit ma petite fille, viens pas. Et là, les gens comprennent que je suis venu de ma petite fille. Quand on va parler de quelque chose qui est bon, là, vous n'êtes pas d'accord. Je voulais vous dire le vrai visage de l'homme Foda. Viens pas, on ne peut pas passer par là-bas. Parce que je veux vous dire le vrai visage. Donc, il y a un problème. Que ça vous plaise ou pas. Donc, Sébastien, au terme, a-t-il loué une chambre, là où il y avait le matelas au sol. Et Otam finissait aussi avec la femme là. Et comme Otam faisait ses recherches pour faire des photos dans les réseaux, dans les ordinateurs. Donc. Ah ouais, on a toujours un gros trésor. Écoutez-moi très bien, hein. Écoutez-moi très bien. Donc, comme maintenant, comme le gars là n'avait pas l'ordinateur, non? Donc, elle affiche la fois qu'elle nous filmait, elle se regardait nos photos dans son ordinateur. Merci. D'où il y a les photos de la plupart des filles de Paris dans son ordinateur, Otam. Otam a pris ça, téléchargé. Oui. Otam a téléchargé dans l'ordinateur. Pendant l'ordinateur, c'est pas l'ordinateur d'Otam. C'est l'ordinateur de Félicité Fosso. Parce qu'elle était pauvre avant, il ne faut pas acheter un ordinateur. J'attends, hein. Quand il filmait, je ne sais pas comment les photos dans son téléphone, je ne sais pas comment ça faisait pour atterrir dans le l'ordinateur. Que ça atterrit dans le l'ordinateur, j'attends la clé USB. Donc la fille a pour la fille des annonces. La fille a avec cette femme-là. Donc, j'avais pas remarqué que. Merci. Oh là là, c'est beau, hein. Je vous dis alors que c'est comme ça alors que ils ont créé un compte. Parce que ça fait longtemps que tu servis dans les réseaux sociaux. Tu sais depuis longtemps les réseaux sociaux là. Ton compte s'appelait, le compte s'appelait qu'un. Inspecteur Colombo. Avec la tapez un peu le compte, vous allez trouver le compte là. Peut-être que comme ça fait longtemps, c'est sûr que Facebook a peut-être oublié le compte là. Je dis, hein.
Inspecteur Colombo. Je ne lâche pas. Tu entends, non? Tu es ma chèvre. Je vais te tirer partout avec moi. Viens, viens pas. Là, tu prends encore le trésor. Je vais te tirer partout comme tu manques. Tapez inspecteur Colombo à Facebook. Vous regardez dedans. C'est le compte qui existe encore. Vous regardez dedans, vous allez voir les photos nues, mes photos nues. Les photos de jeunes bonnes. Donc toutes les filles qui pouvaient la faire de l'ombre dans les réseaux sociaux, vous avez créé un compte Facebook. Je vous mens pas l'histoire-ci. Lolo, c'est la première qui publie les femmes dans les réseaux sociaux. Merci. Oh là là. Des trésors. Lolo, tu es la première à mettre les photos dans les réseaux sociaux. Oui. Tu avais créé un faux compte avec Otap. Si Otap, c'est un homme qui vient parler de ça. Mais tu as peur. Tu sais ce qu'on t'en peut dire. Tu sais ce qu'on t'en peut sortir sur toi, Lolo. Tu es méchante. Tu mérites que la nullité sorte sur les réseaux sociaux. Tu mérites que tu parles de paix. Moi, pas de paix, Lolo. Tu commandes le compte là. Inspecteur Colombo. Hein? Que vous avez créé toi, Otap. Et comme Otap avait, il avait accès à l'ordinateur de Félicité Fosso, il te chargeait les photos. Malheureusement, même ta peau aussi est sortie de ta. Hein? Et tu m'as filmé nu. Là, tu avais créé un compte avec Otap. On appelait ça inspecteur Colombo. C'était ta principale fille de sa Facebook. Tu as oublié ça? Tu as oublié, ma soeur? Je vais faire en sorte que tout le monde sache que tu publies les femmes nues. Parce que tu ne fais pas comme ça. Allô? Ne fais pas comme ça que non, je ne fais pas. Parce que tu es une menteuse. Si on t'a mis un vrai homme, on va te balancer ça dur. On va te faire, que même tes frères vont te suivre. Parce que tu es la première personne qui insulte ma mère. Tu attends, non? Cette fille-là, elle a insulté ma mère. Le cul de ta gros cul de ta sœur, putain de mère. Qu'elle va en enfer, tu entends, Lolo? C'est toi qui commences à insulter ma mère. Tu ne reconnais jamais rien. C'est toi qui insultes ma pauvre mère. Qu'elle baisse, elle boit le vin, elle dort dans les carnivaux, elle couche avec les chiens dans les carnivaux. Avec ta sœur, misérable bouche. Tu ressors les vidéos là? Je vais rechercher. Pas comme fleur que tu fais tchac, elle va mettre cette chose sur toi. Il faut que les gens comprennent qui tu es. Donc arrête. Arrête de faire comme si tu es. Maman, tu as publié les filles nues ici à Facebook. Tu avais un compte, on appelle ça inspecteur Colombo, tu as oublié. Hein? Demande au Otap. Otap te tient, tu es sa chèvre. Tu es le cabri. Oui. On va au parc. Otap te tient, oh! Parle encore, on sort sur toi. Je te dis que, alors, je vais te faire ça, tu vas comprendre. Maman, regarde les Camerounaises. Elle se plaint qu'on a publié nu. Donc, tu t'es permis de prendre les photos. La clé est belle. Maman, tu vas oublier qu'on t'a montré avec ta part. Hein? Commentez si vous voulez. Donc, allez, c'est ça. Vous pouvez commenter, il n'y a pas de problème. C'est que moi je me fâche pas un ou deux jours, non? Maman! Hey, mettez les étoiles, hein? Vous commentez, mettez les étoiles aussi. Quand on prend un truc de Japon comme ça, il faut des étoiles. Les Japonais méritent des étoiles. S'il n'y a pas des étoiles, j'arrête les Japon. Eh ouais! Eh oui! Quand vous parlez, si vous ne comprenez pas, je ne suis pas une menteuse. Tapez sur Facebook. Vous tapez inspecteur Colombo ou Colombo tout pour maman avec sa veste là, sa veste marron, avec sa veste marron. Oui, je dis que commentez si vous voulez. Je dis que mais vous commentez avec les étoiles, hein. C'est ça qui est ça. Oui. Lolo a publié les femmes nues ici dehors. Publié avec Otap. Ils avaient créé un compte. Au compte que. Comment elle a mis mes photos nues? Là où est-ce que mon clitoris pend? Parce que c'était dans la même pièce B. Comment Otap a baisé avec Félicité Fosso, Lolo, il faut devoir mourir, va te pendre.
On t'a mal déchiré de faire le stéphoso derrière de van. Tu es pas au courant? Emma, hey, hey. Vas-y, vas-y, je suis assise là, hein. Oui, il fait beau. Il fait très beau à Kakasso. Oh, t'as mal fini avec Félicité Fosso. Au-dessus de tout le monde. C'est comme ça qu'il partait te chanter les photos de filles chez Félicité Fosso pour faire le chantage. Il te montrait. Tu dirais, quand tu me lavais, tu dis que tu as une manualité, non? Tu as fait comment faire une manualité? Tu as oublié quand tu me suis sur l'eau que ouais, j'ai ta manualité. Tu as pas que tu me sortais avec ta. Tu avais créé un compte qui s'appelait Inspecteur Colombo. En fait, vous me souviens très bien. Hein? Ouais, vas-y. Hein, vous ne mettez pas les cœurs, hein, c'est quoi? Mettez les cœurs, dis donc. Et vous mettez les cœurs et les étoiles. C'est comme ça. Vous allez entendre ici à Facebook. Les cœurs et les étoiles. Doucement. Allez, monte. C'est comme ça. C'est que le moitié, je dois aussi manger un peu. Vas-y. Vas-y. Mais vas-y alors. Attends, attends, attends. Doucement, doucement. Attends, je te suis la bouche. Pas de quoi. Hey! Inspecteur Colombo, maman, les gens qui connaissent l'histoire-ci. Les gens qui connaissent l'histoire de l'inspecteur Colombo ici à Facebook. Oh bon, oh bon. Inspecteur Colombo là-bas, il y avait la nullité de toutes les filles qui passaient là-bas pour les photos. Prenaient des photos pour faire des annonces à l'époque. Et on t'a comme on t'a baisé avec Félicité Fosso. Donc, quand il prenait l'ordinateur, il entrait dans les. Il avait les photos de tout le monde. Tous les filles qui sont passées là-bas. Et que toutes les filles qui sont passées là-bas, on t'a mal toutes nos photos. Il a tout là-bas. Hein? J'ai fait une seule photo avec toi le long jour. Jamais. Comment tu as vu mes photos? Parce qu'on t'entend montrer mes photos qu'il a récupéré. Qu'il a récupéré ça. Il a fait un clé USB qu'il a mis dans l'ordinateur de faire pour ceux qui nous filmaient. Même ta soeur a dit tant que ta mère, sa copine là, qui vient de se marier là. On appelle ça Alvin tant que là-bas, dans les photos. Elles sont avec tant que ton cul est là-bas. Monde est là-bas, vous êtes tous là-bas. Pour ça, tu ne parles pas. On est d'accord là? Mouné, mounienge. Je donne les noms, je m'en fous. Ah ouais, allez. Ciel. Terre. Maman Gouaï a grandi. Avec entre où allez il y a personne aide moi à pousser non. On va pousser. Oh, oh.
On y va? Attends. Bah. Allez, vas-y alors. Vas-y alors. Tu vas entrer? Viens. Laisse la petite, après tu vas monter aussi. Hein. Attends ton tour, d'accord? Tu attends ton tour, hein. Après, elle, c'est toi, hein? Sinon, on prend un problème avec le dicker, hein? Comment? Mon chapeau. Quand tu avais payé ici là, maman, on va à côté de toi, tu vas voir. Avec toi, j'ai une haine avec toi, père. Maman, tu as quelque chose à dire que j'ai la haine avec toi parce que c'est. Quand j'ai la haine avec toi, parce que c'est quoi? Tu as dit parce que c'est quoi? Je pleure l'amitié, tu vas pas pleurer l'amitié chez toi. On te dit la vérité. Et les choses que j'ai refoulées dans moi qui sont sorties, parce que le coup que tu as fait avec Papa Didier, oui, tu étais dedans. Tu penses que quelqu'un te dépasse? Tu ne peux pas accepter qu'on te dépasse. Tu ne dépasses personne, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Ton ventre se vous est là comme ta sale putain de bouche, tu attends, non? Moi, je t'ai dit que je t'ai rien. Oui. On va faire ça ici à Paris. Je t'ai rien. Tu as bibi les femmes nues ici à Paris, je veux dire à tout le monde. Il y avait un compte qu'on appelait Inspecteur Colombo. Toi, autant vous avez créé ça. Toutes les photos que vous prenez dans le tour de QSB chez Stéphoso, pour humilier les femmes, tu as oublié ça, non? Tu dois être humilié plus que ça. Je dis que je veux faire de ça mon combat. L'histoire, tu vas être attendue. Tu attends, non? Je veux faire de ça mon combat. Tu entends? De ça mon combat. Par contre, tu as appris à publier les gens ici à Facebook. Tu vas publier nu ici à Facebook. Je me souviens bien de l'histoire là. Tu as publié toutes les femmes nues. Quand une fille était belle, tu coupais ses photos avec aux dames. Vous avez créé un compte qu'on appelait Inspecteur Colombo. Hein? Inspecteur Colombo, c'était le compte de Lolo, vous avez aux dames. Hein? Il y avait une fille qu'on appelle Félicité Fosso, c'est ce qui m'avait dit, tu n'as pas long coup. La vidéo là. Hé hey, Lolo! C'est elle qui m'a dit que maman, comme tu vois là, j'ai vu. Tu as fait du sale. Tu mettais fleur de lille avec les chiens là-bas. Tu me mettais nu. J'avais, au moment là, j'avais encore beaucoup. J'avais un petit ensemble de rose, rouge, blanc comme ça là. Maman, tu as oublié. On doit te publier nu. Tu mérites. Je vais faire en sorte qu'on te publie ça bien propre. Okay. Tu as rien qu'à l'aide pour monter ici. Là, vraiment, c'est ici. Là, là où elle monte. Et là, mon goué, descend. Viens ici. Tu veux que j'aille pour avec maman? Allons. Tu vas bien. Tu vas l'entraîner là-bas en soi. Tu ne peux pas monter là-bas. Tu n'as que 3 ans, tu comprends? Viens, non. Est-ce qu'elle a publié, je dis qu'elle a prévenu de l'eau, non. Autant doit parler l'histoire-ci. Autant m'a dit que tu sors, il va sortir. Autant tu as parlé, tu entends, non. J'ai dit la première femme à avoir publié les femmes nues dans les réseaux sociaux, c'est l'eau, Fondia. La première femme à avoir sur les mamans des gens, c'est l'eau, Fondia. Tu te victimises? Hein? Viens. Viens, donc. On va monter là, non? Tu veux qu'on parte où? Tu veux qu'on parte où? Balance. Attends alors. Ah, pardon, laisse la petite ici monter. Laisse-le monter. Attends, c'est bon là. Hein? Ma chérie, viens. Non, mais ça ne fait rien. Elle est petite plus que vous. Elle doit monter avant. Descends. Ah non, c'est ma petite fille. Viens monter. Elle est plus petite que vous, elle doit attendre. C'est comment?
Allez, monte. Maintenant, après, c'est notre tour. Voilà, après, c'est votre tour. Allez. Voilà, tu dis ça quelques minutes, d'accord? Elle a 3 ans, c'est un bébé. Toi, tu as 7 ans? 6 ans et demi. Alors, tu as combien, toi? 6 ans et demi. 6 ans et demi, tu es grand. Et toi? Ouais. Et toi, t'as quel âge? 6 ans. T'es un beau gosse, toi. Hein? Et toi? 6 ans et demi. 5 ans. Oh là là, Harry Potter. Ah, et toi, tu as quel âge? J'ai 6 ans et demi. 6 ans et demi. Ah là là. Deux ans. Ah. Deux ans ou trois ans? Elle est dans sa classe. Ah bon? Et là, on descend alors. Tu descends, les autres montent? Tu descends? Viens alors, descends. Hein. Voilà. Dans ma classe, il y a deux mois. Descends. Les petits enfants aussi vont monter. Hein. Voilà. On y va. On va parler couscous. Merci. Au revoir les filles. Les enfants. Que j'ai fait quoi? Que j'ai fait la gloire. C'est comme ça, et moi. Tu vas voir qui, maman? Allons-y alors. Comme je disais, on était où? Que ma fille est vous. Vous ne connaissez pas les antécédents ici à Facebook. Nous l'avons fondé à travailler noir. Comment vous croyez que tout avec un cœur comme à l'époque? Merci, c'est ma fille en fait. Ah oui? C'est ma fille que vous poussez, je vous remercie. Ah, mais elle est toute blanche? Oui, elle est métisse. Mais j'ai un nom. Ah oui? Mais vous êtes métisse, vous? Non, africaine, moi. Je suis malgache. Bah, mais vous êtes malgache? Oui. Ah, c'est normal parce que tes enfants sont sont toutes blanches, quoi. Ah. Avec des beaux cheveux et tout. Elle est métisse aussi? Elle est catalane, sa maman est métisse et son papa est noir. D'accord. Oui, oui. Elle est belle aussi. Ah, oui. Moi, ce que j'aime bien avec vous, c'est le naturel. Peu importe son cheveu, on accepte qu'elle connaît. Vous êtes belle comme ça au lieu de... Bah oui, mais il faut bien. Hein. Il faut qu'on nous accepte qu'on tête qu'on est. Hein. Ça ne sert à rien de toujours mettre des cheveux des morts là sur nos têtes. Oui, oui. Tu vois, nous, on met. Après, chacun ses choix, mais moi, j'admire les femmes. Peu importe leur sujet. Et vous habitez ici à Carcassonne? Oui, oui, oui. D'accord. Je suis là, au revoir, je suis là pour quelques jours. D'accord. Merci. Allons. Je veux dire à tout le monde, je vais appeler Paul Biya, je vais appeler Maman, je vais appeler tout le monde entier, je veux parler l'histoire si je ne te lâche pas. Il y a des choses que j'avais oubliées depuis, que quand on est sorti. Il y avait un compte qu'on appelait Inspecteur Colombo que tu avais créé avec Otam, ici à Facebook. Tu as publié la nudité de toutes les filles là-bas. Et aujourd'hui, son public, ta sale putain de chat qui bave pour rien là. Tu viens dire que oh, on m'a fait ceci. On ne t'a pas publié. On ne t'a pas encore bien publié. Regarde-moi celle-ci. Tu mérites ça plus que ça. Viens. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a des années, ici à Facebook, vous qui arrivez hier, vous ne connaissez pas les gens. Méfiez-vous des gens qui disent qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça, parce qu'ils ont fait pire aux autres. Je lui ai gâté la toile. Elle a fait plus pire que ça. Oui. Oui. Maintenant. Donc, parce que peut-être que vous l'aimez parce que tu sais pourquoi elle n'a jamais progressé aujourd'hui. Elle n'a jamais progressé parce que personne ne l'invite nulle part. Pourquoi? Parce que. Ce qu'elle faisait avant, elle détruit. Elle était fière de détruire les gens. Oui. Elle était fière quand elle insultait. Vous connaissez même pas, vous connaissez le phénomène là. Elle est fière. Que Jean, elle pitié, maman. Ah. De tout, si je suis à Carcassonne, je reviens bientôt, maman. Je suis encore que tu n'as pas ici à Carcassonne, non. Je suis là. Ah. Des étoiles, étoiles, étoiles. Hey, dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Hey, ah, parce que c'est une petite fille, c'est pas un petit garçon. Hein. J'apprends, les gens disent là parce que c'est un garçon. C'est pas un garçon, c'est une petite fille.
va bien faire beau là maintenant là. On a laissé ses cheveux un peu au vent comme ça là. Il y a plein de que j'ai ma petite. Je ne suis pas un petit garçon. Tu viens travailler? Elle peut fabriquer qui? Elle adore là où on parle d'elle, on parle d'elle, on fabrique. Je dis que hein, toi et moi, c'est balade, je suis une star, comme tu es star. C'est moi qui t'ai amené dans la canne, c'est pas moi qui suis venu qui t'ai amené dans la canne, tu ne connais rien. Elle t'a pas dit qu'on a pris ton argent là-bas en bas, c'est qu'on a partagé elle et moi. Regarde-moi, Mbap, que tu sois. C'était même Marie qui s'est montée, tu avais seulement 250. Hein. C'est moi qui a dit que non, donne-toi même 500 euros. C'est moi. En tout cas, moi, j'ai marié ton argent, un pion. Tu veux qui t'a amené? Hein? Ton émission, tu vas que prendre des prostituées, des vieilles rombières qui ont raté leur vie là. C'est que tu vas prendre ton émission. C'est tout. Parfois, vous savez, parfois, il y a parfois vous refoulez certaines choses. C'est-à-dire quoi? Vous refoulez certaines choses. Quand ça sort, hein, j'ai une haine avec toi. Hein. Ah oui? Et tu t'étonnes qu'on t'a mis dehors. Tu es vraiment sans confiance. Tu insultes comme ça. Et demain, tu sens la première personne à l'appeler. Moi, de l'appeler. C'est ce qu'elle t'a dit. Moi, si je l'appelle souvent, vous allez m'entendre ça. Hein, que la vraie chose, j'appelle les gens. Hein. Moi, exactement, je n'appelle jamais Lolo. C'est Lolo qui m'appelle. Hein. Je l'ai déjà bloqué combien de fois. Vous aimez entendre ça? J'ai déjà entendu ça parce que chez moi, regarde-moi très bien mon visage ici. Moi, appeler Lolo par rapport à quoi? J'ai faim pour l'appeler. Vous faites quoi avec elle? Oh, elle m'appelle tout le temps, tout le temps. Quand eux, ils appellent les gens. Hein? Ah ouais? Elle était où quand? Tu viens me parler pour savoir ta sale putain de gueule, diamant noir de mes fesses. Hein? Allons. Tu vas dire bonjour maman, je t'attends dehors. Hein. Tu l'embrasses, après on va me préparer le couscous, d'accord? Regardez les gens, les Camerounais. On t'a dit que moi, je passe mon temps à appeler les gens. J'attends ça partout, j'appelle les gens. Imbécile! Moi, on m'appelle. C'est une personne qui a faim qui m'appelle. Moi, j'ai faim, j'ai soif. Vous aimez entendre ça? Tu es sans confiance. Lola a fait du mal sur la toile. Et ça doit se dévoiler. Elle a publié les femmes nues sur la toile. Y compris moi. Alors maintenant, comment moi je l'ai publié là? Jusqu'à quand elle revendique. Yeah, yeah! J'ai oublié là. J'ai oublié l'histoire là. C'est quoi ça? Donne-moi l'espace mon temps, hein? À supplier l'amitié. Tu as entendu que une blogueuse m'a donné 100 euros. Moi je paye. Quand elle dit qu'elle a faim, je donne les pommes de terre. La robe qu'elle portait, elle dit qu'elle a payé sa 800 euros. Tu sais où elle avait 800 euros, hein? Tu sais au Cameroun, le roi a été tué là-bas. L'autre qui t'en veut. Va embrasser maman, pas. Oh, maman. Qui est en bas, on va à la maison. Ça va, monsieur? Moi, je travaille, je rentre tout à l'heure. Tu fais un câlin? T'as une soirée? Bah, c'est le truc qui me reste, tiens. Je vais la laver. Allez, viens, on va. Je suis sans confiance, hein. Ah bon? Comment on m'a publié? Je suis devenu sans confiance, hein. Je leur ai dit, là, Togoué, tu me dis que je suis sans confiance. Ah bon? Parce que vous êtes au courant que je suis devenu sans confiance. Parce que je dis la vérité. Lolo a fait un blog ici où elle publie les filles nues. Eh oui, je me rappelle ce blog-là. Maintenant, je suis sans confiance, hein. Quand vous voulez la robe pour porter pour les chapeaux, tu vous le tiens où? Hey, moi, vous dégagez mon mur. Bande de chiens. Allez, dégage. Oh, je suis sans confiance, oui. Moi, quand on me publie, vous le tiens où? Vous dégagez. Elle est là-bas, pleurez là-bas. Je vous dis, faire ça dur. Normalement, on supplie l'amitié. On supplie l'amitié pour faire quoi avec elle? Je viens dénoncer que le Lord Fondas, c'est la première femme qui publie. Comme je l'ai dit, c'est la première femme. Vous comprenez? Qui insulte les mamans des gens dans les réseaux sociaux. Quand tu réponds, elle fait des victimes. Lolo Fouja, le compte, c'est le compte là, s'appelait Inspecteur Colombo. Tu te souviens avec Otam? Vous m'avez publié là-bas nu. Vous avez publié qu'un camp, vous avez publié tout le monde dans les réseaux sociaux. Tu as oublié ça? Tu es la première femme à avoir publié les femmes nues dans les réseaux sociaux. Viens de mentir. Lolo, le tout, c'est toi et moi, on va aller loin. Viens de mentir, maintenant que je suis sans confiance. Hein? Ah ouais?
On y va. On va parler de couscous. Bref, on s'en fout ce soir. C'est juste pour ce soir. Oui, demain. Tu n'as plus mamie? Oui. Allez, on y va. Allez, mange sur le dos de mamie. Non, mais maman marche normalement et elle aussi. Donne-lui la main et faites attention, elle reste direct. Pas. Mais laissez-moi direct. Je vous dis la vérité, comme vous voyez ici. Tu es sans confiance. Ah oui? Quand pour moi c'est sans confiance, c'est comme on fait ici à Carcassonne. C'était confiance, hein? Non. J'ai fait mes directs et on me regarde la télé. Maintenant, tout le monde va parler ça par la télé. Je vais dire, dénoncer. Comment tu vas te faire monter quand tu es une femme que tu n'as rien fait? Le lot, tu as publié les femmes ici dehors. Tu m'as publié nu ici. Tu sais très bien. Hein? Tu m'avais insulté, non? Pourquoi tu as eu une photo nu quelque part, non? Alors? Ma? Oh! Ah, maman, c'est la gueule qui se fait la charité. Je vais te dénoncer ici dehors. Tu es la première à faire insulter les femmes. Les mamans des gens ici à Facebook. Tu as terminé avec ma mère. Tu as fini alors le check-up avec la mère de Dieu là-bas ici dehors. Après ça. Oui, oui. Maman, tu n'as pas terminé avec qui ici dehors? Qui a insulté plus que toi? Je suis dupe dans mes popos, hein. De tout, je vais te dénoncer que oh, le peuple camerounais doit savoir que c'est Lolo Pipi, c'est elle qui a commencé à insulter les mamans des gens, les fesses des mamans des gens ici dehors. On est d'accord, non? Tu as commencé avec ma main, non? Tu as commencé avec ma main, je t'ai répondu. Donc, tu crois que tu vas dire que tu. Mouf, Lolo, tu avais insulté ma mère. Et quand tu t'assois sur la maman de quelqu'un, tu sais comment tu nettoies les asticots. Et moi, je t'ai laissé. J'étais répondu que quoi? Hein? Bon, j'avais oublié l'histoire des photos aussi. Je vous dis, je ne mens pas que Lolo Fondia, c'est la première femme qui publie la nudité des femmes dans les réseaux sociaux avec Otam. Et tu t'étonnes qu'Otam veut aussi écarter ta part avec Facebook. Tu ne dois même pas pleurer. Je suis prête à aller dans une télévision parler de ça. Je suis prête à appeler même Paul de Sibia pour lui dire tout ça. Parce que là, on va aller très loin. Tu attends, non. Je vais te montrer ma force de frappe. Tu vas m'entendre que tu aimes pleurer, tout ce qui va pleurer propre. Tu as publié la nudité des femmes ici dehors. Y compris moi. Hey, inspecteur Colombo, hey, maman. Et moi, je savais que c'était toi. Parce que quoi? Parce que, autant utiliser le comment on appelle ça? L'ordinateur de féliciter pour ceux qui nous filmaient. Oui. Après, vous avez créé un blog. Donc, c'est ton nom photo. Quand vous faites votre blog, vous avez insulté des prostituées. Oh. Lolo, tu as oublié. Donc, je dis, si ta part sort, ta part est sortie, écartée. Et puis, les gens doivent mourir pour ça. Je vous dis qu'au nom de Dieu, que Dieu me préserve. Mais voilà. Lolo, c'est la première femme qui publie les nudités des femmes dehors. Elle vient faire du sale sur la toile. Je suis la première vivante. Hé, hey, j'ai oublié. J'avais oublié que tu m'avais publié, ma peau. Écarté, je vais encore. Tout à l'heure, là, je vais mettre ta photo nue. Je vais t'écarter encore ça bien. 55 degrés à l'ombre. Maman. Oui. Est-ce que maman, il n'y a qu'au temps, c'est qui c'est la clé de cette histoire? C'est ça que tu ne peux pas. Tu ne peux bien. Tu veux quoi? Viens, maman arrive. On va faire le couscous? On va devoir faire ben. C'est, tu t'es du chien, hein? D'accord. Mais alors, tu veux boire un jus? Hein? Allez, viens, on va boire un jus là-bas. On profite. Maman, dans la vie, si, hein, on dit que qui tue pas le père, mais pas le père de l'eau. Hey, yeah, j'avais oublié l'histoire, c'est dans ma tête. Maman! À 20 ans que tes photos nues sont là-bas, tous les filles qui sont passées, je vous dis la vérité. Oh. Et autant de tiens.
pipitologue au Tamtetien, il ne te ment pas. Tu as oublié l'inspecteur Colombo? Non, au Tamtetien. Non, j'allais mon chapeau. Tu ne peux rien, tu ne peux rien parler à Facebook. Au Tamtetien. Ah oui, je me souviens bien. Inspecteur Colombo, on a mis nos unités là-bas, hein, maman. On nous lave là-bas jusqu'à. Elle était fière de nous dénigrer. À l'époque, elle était encore patiente chez Ngossa. Là où elle a insulté, elle dit comme un poisson pourri chez Ngossa. Non, tu es. Demain, quand on parle de nous toutes les jeux qu'on a fait à Facebook, hein. Mais toi, tu étais un poison là. Non, tu mérites ce qui t'arrive, hein. Tu mérites de même pas avoir le bonheur dans ta vie. Sans te mentir. Et quand tu me dis, mais même pas, hein. J'ai même pitié de toi quand je parlais là. Parce que tu as vraiment fait du mal aux gens que. C'est vrai, hein. Parce que, avec tout ça, Dieu pourrait même t'aider, même pas à te marier, même. Même à faire un enfant, même à adopter, même. Mais comme tu as un cœur noir, parce que je me rappelle bien de cette histoire, tu as fait du mal aux gens. Tu as fait du mal aux gens. Les gens m'ont laissé à quel. Les gens mangent tout ici. Hein. Ah, déjà 19h quand même. Bonjour. Bonjour. Tu vois quelque chose? Un petit sirop. Sirop pour l'appétit. Sirop pour mettre un sirop. Du sirop. La fraise, non? Ouais, donnez ça à la petite. Et vous donnez un petit chat à donner. Oh, ils ont des fraises. T'as vu des fraises? Is the window closed? Ah. Non, on te laisse. Peut-être ma chance. Aïe. Maman. Je vais aller dehors. 13, alors, c'est facile. Oui, hein. C'est pour la petite. C'est facile. Merci. Bien. Ah, bonjour. Bonjour. Diamant. Maman, je n'ai pas compris comment ta père est sorti un degré comme cela. C'est parce que tu avais fait du mal. Eh, oh, t'as merci quand même, hein. Peu importe, je peux dire sur toi pour ton pénis là, hein. Mais quand même, merci. Oh, t'as merci, je te remercie. Tu as bien fait un bon travail. Parce que c'était ta complice pour tuer les gens à Facebook. Vous deux là. Excusez-moi. Je peux avoir mon bain de chien donné, s'il vous plaît. Merci. Oui. Ah oui. Je me rappelle très bien. Dis donc. Ça ne sert à rien. Bon, merci. Ah. Mais l'église va rentrer à la place du village. Parce que là, je vais tout expliquer comment ça se passait, comment tu fonctionnais. Tu n'as pas honte? Maman, ministre, sors avec l'autre, tu viens, tu prends. Maman, voilà qui a couché. Maman, couche avec tes hommes. Attends, on va le chasser. Il est parti. Assois-toi. Mais laisse-le. Mange, bois. Maman, et si ce n'est pas venu de Champs-Élysées ici, hein? Et si c'est ainsi que les stars passent devant nous là, ils partent là-bas au fond, ils tournent encore ici. Maman,
quand vous voyez les gens à Facebook, et moi, parce que quand je me rappelle bien l'histoire, et merci au temps. Maman, le moment où elle mettait, c'est d'insulter tout le monde à Facebook. Elle insultait chaque temps chez Ingo Salaba. Elle insultait chaque fois. Maman, vous connaissez ma jeunesse de Facebook. Vous arrivez hier. Je supporte telle personne. Je supporte là. Allez en enfer. Allez en enfer avec elle. Le nom c'est l'enfer à personne. Je vous mens pas. Hein? Tu te plains qu'on a filmé ta photo. Mais ça. Donc tu te plains aussi qu'on a filmé ta photo, ma. Maman. Tu as fait ça dû ici aux gens à Facebook. Comme tu étais jalouse. Mais oui. Tu es seulement la vérité, hein. On va comment elle est. La face me va bien. Regarde comment elle est belle. Ouais. Tu vois quoi? Il faut aller payer, hein, pas l'argent. On va partir. Prends ça. Prends 5 euros. On va donner à tonton. Va venir à Tati. Elle est là. Maman. C'est blanc de blanc et. D'accord. Merci. Ma soeur. Oh, c'est pas comment il veut faire pour Otam. Otam sort de l'évêque, oui. Parce que c'est Otam, ceux qui connaissent le nom. Otam va te faire. Otam va te faire un jour. Tu vas tomber dans machiavélique. Tu attends, non. Si tu as 54 ans, tu es toujours là à Facebook. Go. Ta télévision, ta machine. Merci. Moi, c'est pour moi la télé. Moi, je fais les émissions, hein. Mais il faut savoir comment. On ne publie pas quelqu'un comme ça dehors. Tu as publié, la plupart pas des filles ici à Facebook. Elle avait un blog, on appelait ça Inspecteur Colombo avait au tap. Parce que toutes les photos qui étaient dans la Claire Zubé, la femme Claire Zubé, ça sortait de chez. Félicien Fosto. C'est qu'au dame, mangeait les fesses chaque soir. Et quand tu venais là-bas, on te traitait comme une merde. Non? Tu as mis les médicaments pour aller chez. Regarde-moi, c'est elle prend les médicaments, elle amène là-bas chez la fille. La fille a versé tes médicaments. Vraiment, j'ai pas vu. Tu sais, j'ai pas envie de me rappeler. J'ai pas envie de me rappeler les anciennes histoires qui s'est passées là-bas. Hein. Oh, vraiment. Dans la vie, parfois, hein. Moi, j'ai même. À la fin, j'aime avoir pitié de toi. Non, parce que tu as trop fait du mal aux gens. J'ai pitié de toi. Tu m'as publié nu. Et. Pour la publication des militaires, je veux montrer à tout le monde. Voici. Hein? Comment tu vois que j'ai mon clitoris qui parle? Et ma soeur, tu ne sais pas que j'ai acheté mes photos nues. Tu les as pris où? C'est parce que tu les as pris chez Otam, non? Par contre, tu m'as récupéré les photos dans la pièce, dans le truc de truc. Oui, chérie. Hein? Mais as-tu oublié quand tu parles, hein? Tu t'es trop trahi. Tu t'es trop trahi, hein, l'eau? Ma fille, pour qui marche avec elle, c'est une mauvaise femme. Hein? Ha. Comme elle a raté sa vie, dans on a pris raté. La rate de l'histoire, ça serait toujours toi, moi je te le dis. Parce que tu m'attends même pas un peu. Tu as hérité du make-up. Make-up frélaté. Bon, allez, on part à la maison. Moi aussi j'ai faim. Hop, on va préparer le coucou, c'est elle. Que demain matin, je commence la marche, demain matin. Maman, me fiez-vous. Maman. Les gens qui se plaignent toujours sont les plus mauvaises personnes dans cette vie. Elles se plaignent toujours, on m'a fait ceci. On m'a publié nu. Toi, tu m'as publié nu. Tu as publié déjà nu. Oh, on a insulté ma mère. Toi, tu as insulté ma propre mère. Donc ta mère est plus importante que ma mère. Oui, tu aimes ta mère comme j'aime ma mère. Pourquoi dans ce problème-là, c'est toi qui as insulté. Il a dit qu'un.
On va mettre la photo, la vidéo, là où les sites, elle nettoie. La maman de Doudou est gamme ici, maman. Et puis quand on te répond, tu dis que quoi? Tu effaces l'eau. Tu n'as que le demande que tu as que la bouche. C'est tout ce qui te reste. Tu n'as que la bouche. Maintenant, moi, tu as un petit titre foncé. Tu n'as même pas mon terrain, tu n'as pas. Tu as quoi dans ta vie? Et rien. Tu dis, tu te. Aide-moi à rester. Non, non, depuis 10 ans, vous vivez ensemble. Tu ne peux pas te dire que, alors que le Pax. Elle dit que la maman, tu fais la pitié, la contamination de tous les bannequins de l'Ouest. C'est moi qui te dis. Oui. Hein? Non, non, non. Allez, bois, on part à la maison. Hé, ne commence pas. Tu sais, on ne dit pas non à mamie. Hein? Mamie, on dit toujours oui. Oui, mamie. Allez, dis oui, mamie. Alors, c'est ça. Pardon, on va aller à la maison. Il commence déjà à faire froid. Il fait déjà froid, hein. Ah oui, on va à la maison, hein. Dis alors, je te mets ton manteau. Nen, allez. Ça ne chauffe pas à Facebook. C'est fort. Oh, attends. Quand tu vas parler, on va dire, oh, elle est jalouse. La jalousie, vous savez souvent, nous. Le seul mot que je sais, c'est que quand tu parles, le lait vous dépasse. Le lait, vous êtes jalouse des masses. Hey. Le dépassement, la semaine souvent, dans votre bouche, dans votre gueule. Hein? Ça sort souvent, nous. Et vous ne comprenez pas votre dépassement, la Facebook ici. Hein? Moi, le lait vous dépasse. Avec quoi? Moi, je peux parler que j'ai eu. C'est fini. Toi, tu peux dire que tu as eu quand? Tu n'as jamais rien eu dans ta vie. Au contraire, ta vie, ce n'est que le chaos là où tu passes, le chaos des tueries. Oui, c'est le chaos total. Oui. Et pas de devoir aller au Cameroun que ta lomania là devait te donner l'argent. Tu devais l'argent pour ouvrir le magasin. Oh, 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 oh. C'est le bon gars. Famille, c'est de bonnes guerres. Ma vie n'est pas encore finie. La tienne est finie, de maman. Maman, une personne qui fait du mal aux gens des réseaux sociaux, elle se permet de se victimiser matin, midi et soir, ta victimisation, par quoi, à quoi? How? Non. Tu m'as fait penser à certaines choses aujourd'hui. Maman? Me fait payer le verre partout, tu ne vois pas, hein? Moi j'ai faim, tu vois, on va préparer le couscous. La vie de poulet, hein? Mais il faut le chasser, tu chasses. Il est parti. Uh-huh. Bon, on va quitter ici parce que moi, mamie a froid, d'accord? On va à la maison. Oui, il est parti là-bas. Tu recommences encore avec les histoires là-dedans. Bah, je ne sais pas si t'embêtes, c'est toi qui t'embêtes, hein? Il est trop chien. Il va me croquer. Il est où? Il est avec ta table. La femme, ça va à son père jusqu'à ce n'est plus bon. Elle fait le même geste que son père. On y va? Il va aller avec maman. Attends, je suis la clé. Elle n'a même pas à la maison à préparer le couscous avec maman. Maman arrive, d'accord? Après, on prépare le couscous. Maman. Ouais, ta maman, on n'a pas le choix. Maman. Allez, let's go. Encore. Quand le soleil tombe déjà. Allez, va chercher. Maman. Mais fiez pour les réseaux sociaux, ils ne sont pas faciles. Hein. Sans confiance. Ah oui.
On peut créer des sans confiance maintenant. Quand votre soeur présente aux gens ici là, tu es venu sans confiance. Quand elle me traite de, elle me traite de tous les noms là-bas, elle a confiance. Hein. On va jouer la Champions League. Oui. Elle a dit qu'elle ne répond pas aux gens comme moi, je ne suis pas star. Elle répond en gros ça. Et je lui dis, maman, elle a dit qu'elle fait encore tchac. Elle va te descendre sur les réseaux sociaux. Fais encore tchac. Tu entends, non? Maman, viens. En tout cas, ça va être vous là-bas. Hein? L'histoire est que je suis star, je suis blogueuse. Oui, j'ai un blog. J'étais à la CAN et c'est moi qui t'ai amené à la CAN. C'est moi qui t'ai choisi. Tu entends, non? C'est moi qui t'ai choisi. Tu as attendu la dernière minute. C'est moi qui t'ai choisi. Que tu le payes, que tu le payes ou pas. C'est pas toi qu'on voulait, on voulait qu'un cam. Et c'est moi qui a dit que non, pas qu'un cam. Parce que nous sommes sur ce moment-là. On a pris, on t'a pris frélaté. Tu as fait quoi la CAN? Tu es allé au stade, toujours couché. La salope rentre à quelle heure même? À 5h du matin, commence à crier là-bas dans le haut. On m'accuse que c'est moi qui a crié. Vous croyez ça? Maman, moi je dormais dans l'autre aile là-bas. Qui sortait la nuit tous les jours? C'est pas toi qui sortais? Maman, non, tu es mauvaise. Tu cries, tu viens crier à l'hôtel. Où sont tu cries à fait quoi? Où ça avait, avec les moutons, moutons là-bas, ça a fait quoi? Je ne sais pas. Elle commence à crier, elle vient de ça, quand on dit que c'est moi, on met ça sur ma tête. J'ai beaucoup subi, hein, comme on était la plus gentille, hein. J'ai subi, hein. Hein? Comme tu es une tueuse là. Tu vois comme un tueur de tous. Maman, je veux dire à tout le monde que tu es la première, donc ton image que tu dis là quand tu as publié, donc on doit te publier parce que tu as publié notre femme nue. Oui? Tu as publié femme nue de l'eau. Hey! Je vais pas raconter l'histoire sur la caca. Je vous au nom de Dieu qu'elle est là avec un globe. Avec son mari au temps. Tous les. Je dis qu'elle, hein. Tous les filles de père. Et puis tu savais, vous savez qu'à l'époque là aussi, il y avait Skype. Donc il y avait Skype. Et les femmes faisaient que quand ils t'appelaient à Skype, tu vois, c'est ton choix alors qu'ils te filment. Tout ça là. Elle était dedans. Le couple là qui est les femmes. Vous vous souvenez à l'époque là, il y a eu une vague de Camerounais. Est-ce qu'on publie ici avec vous? Oui, c'était elle, Golo. Tu entends que maman? On publiait, c'était une femme nue. Qui faisait le porno. C'était Lolo qui faisait ça. Avec Otap. J'ai oublié la phase là. Donc, on recommence à zéro. Tu entends, non? Tout ça, on recommence à zéro. Lolo, tu as publié les femmes nues. Tu es la première personne à avoir publié les femmes nues à Facebook. Tu es la première personne à avoir des parents des gens à Facebook, des parents des gens dans les réseaux sociaux. Ne l'oublie pas. Ça, tu étais premier à faire tout en premier. Les Égyptes nous abordent, c'est toujours toi. Donc là, maintenant, là, est-ce que je réfléchis bien encore? Parce que là, je me souviens très bien, hein. Ah oui. Je ne sais pas si c'est l'aide de la mère qui m'attire, qui me donne un peu les idées comme ça, hein. Viens, la maison, c'est là-bas. Hein? Viens, reste d'abord ici. Non. Eh oui. On va remettre les bandits à l'heure. Et quand je parle comme ça, partagez au moins. Parce que ce que je veux dire là, c'est un truc qui est très dangereux. Je vous dis au nom de tous les Camerounais qu'elle, c'est la première belle femme à avoir publié les femmes nues dans les réseaux sociaux. Je ne vous mens pas. C'est la première qui insulte les mamans des gens dans les réseaux sociaux. C'est la première qui a mis la racaille dans les réseaux sociaux. Moi, je vous dis. Tu as oublié? Mais. Ah, Otam, il faut que tu fais encore tchak. Ah, Otam, Otam va finir avec toi. Otam va finir avec toi. Là, que tu fais tchak, elle va sortir tout là. Moi-même, je vais sortir toutes les anciennes vidéos. Je vais sortir toutes les anciennes vidéos là où tu insultais comme un poisson pourri. Même le chanteur, qu'est-ce qui s'est passé sur ça? Tu as oublié? Tu as oublié que tu as fait à Mot, en plein soleil, on dirait de 6 heures de temps. Massa. Tu oublies vite, hein? Elle joue la victime. Il n'y a plus de réconciliation. Maintenant, on me tient les têtes, hein? Mais ce qui est marrant, c'est que moi, on me tient. Bonjour. Oui? Bah, je dis bonjour à monsieur. Hein? On me tient maintenant les têtes. Maman?
Donc, parce que vous voulez cacher ça. Ah oui. Si l'on ne progresse, l'autre tu ne progresses pas, parce que les gens n'ont pas oublié ce que tu as fait auparavant. Hein. Tu es la première personne à avoir insulté. Maman, déjà, les réseaux sociaux. Eh oui. Eh oui. L'histoire retiendra. Reste là-bas. L'histoire retiendra que tu es la première personne à avoir publié la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. Tu es la première personne à avoir insulté maman des gens des réseaux sociaux. Toujours toi. Viens. Viens. Non, maman. Il faut pas que. Vous êtes les femmes comme moi, hein. Donc ne donne pas de la victimisation parce qu'elle a publié les femmes nues dans les réseaux sociaux. Oui, avec autant. Oui. Mais tout ça va porter plainte, je vais gagner. Oui. Tu vas se souvenir de l'histoire. T'as fait un spectacle à Colombo. Après, nous, on a dissous le compte là parce que on avait dissous le compte parce que j'avais demandé qu'on dissous le compte. C'était forcément on a tellement ciel le compte de la maman. Il mettait mes photos, il mettait mes photos. Qui faisait c'est toi, non? Oui. Eh oui. Viens. On avait tellement tiré contre la guerre, hein? Maman. Elle s'acharnait que sur moi. Donc c'était toi. Eh oui, ça peut dire que c'était toi. Tu m'as privé nu. Toi l'envoyeur, maman t'a fait ça dur, papa est tellement encore beau. Tu veux quoi? On va à la maison. Là on se promène un peu, non? On se promène, non? Il fait beau, hein? Après, si on monte là maintenant là, les gars ont fini de manger, elle va être dedans. On va le sortir. Moi je dors, je sors à 2h du matin avec elle. On se promène. Petit Pascal, aquarelle, dessin, sculpture, photographe, numérique. Elle m'a pas invité là-bas aussi. Ah. Mais fiez-vous, le nom c'est une bébé narcissique. Bébé narcissique. Elle adore elle-même. Elle adore qu'on parle bien d'elle. Elle adore parce que nous avons un penchant pour déléguer les autres. Donc dans sa vie, elle a réussi sa vie. Marie, tu n'as pas. Enfant, tu n'as pas. Papiers même sont en suspens. Eh oui. Et tu parles de la femme joyeuse. Bon, je n'ai pas 10 ans. Maman, tu es malade. La vie, c'est... Non, Lolo, tu vas payer ton tour, hein. Tu vas payer. Je veux, moi, je dis, tu crois que je n'ai pas l'audience, j'ai l'audience. Je veux crier sur tout de toi ici à Facebook. Hein. Tu as d'abord publié les femmes nues à Facebook, non, faut dire, tu es la première à publier les femmes nues. Tu es la première à publier les femmes nues ici à Facebook, non, faut dire. La première femme à publier les femmes nues, c'est toi. La première sur le moment des gens, c'est toi. La robe, c'est joli. Et que la première. Certains, non, c'est toi. Donc, retour à l'envoyeur. Est-ce que tout ce que tu vas faire, regarde-moi, quand je mets ma main au sol de l'eau, regarde le sugar aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire pour te punir pour ce que tu m'as fait de l'eau, je dis que. Fix. On verra. Je suis une jumelle. N'est-ce pas, tu fais souvent comme ça. Moi aussi, je fais comme ça parce que toi, tu m'as publié nu. Je ne mens pas. Donc, par contre, la maison, on rentre. On va à la maison alors maintenant. Et j'ai fini avec toi, je ne vais pas même de toi. Comme tu avais prié que mon enfant meurt dans mon ventre, que je meurs. Tu étais tellement jalouse de moi à l'époque. Et tu as fait quoi à ce point-là? Hein? Il faut que tu meurs dans la table d'accouchement. Elle est fière de le dire. Toi aussi, tu vas mourir. Je te souhaite le malheur du monde. Je te souhaite le choléra. La malchance va te suivre toute ta vie. Tu ne feras jamais rien. Tout ça, c'est un feu de paille. Tu n'étais pas une bonne amie. Tu es une amie jalouse. Maman, moi aussi, une grande femme comme moi. Une personne que je peux payer, que vient payer, vient laver mon sol. Tu laves le sol de ma clinique. Ma clinique est bon d'abord payer, non?
Pour un petit, pour combien? Pour 2000 francs, mon Dieu, il fallait avoir ce courbé. Ça s'est fait partout. Elle n'y que là, j'ai mis la vie de saut. J'ai la vie de saut chez Mathis. Et tu viens la vie de saut dans mon ganda, d'accord? C'est comme ça. Le clash, la résistance, hein? Le clash, la résistance. Tout ce qui te soutient, elle vient. I am the prêtre. Le tout sur ma gorge ne sera plus. Le soir n'aura plus de problème parce qu'il fait chaud maintenant. C'était sur invitation ici. Hey, maman. Ah. Les gens disent que ce sont des barbares à Facebook. Maman, tout ça les suite, hein. Ils ne sont pas dénigrés. J'ai déjà tapé ma main au feu, donc ta vie est finie. Est-ce que c'est ça? Va voir ta soeur au Chiga qui gagne le bébé sa musique sur la tête. Quand on attaque la femme joyeuse, c'est l'enfer. Je suis une pauvre veuve. Je t'ai aidé. Tu t'es moqué de moi que je perds l'amitié, maman. Des gens qui viennent te dire que je suis sans confiance là. Je suis devenu sans confiance. Hey, ouais. Quand moi, mon frère, vous êtes où? Moi aussi j'étais plus bien, par l'homme pour genre. Et je vous le dis, chaque chose que Dieu a créé. On va ma table là-bas et tout dit. Je vais appeler Mike si vous pouvez raconter cette histoire. C'est toi qui es la première personne à publier. Et tu as même dans la page à publier aussi les photos nues de Mike si vous êtes là-bas. Hey, tu es morte. Tu es morte en guerre. Tu entends, non? Sors. Fais ta sortie de l'eau. Fais-la. Tu vois que tu ne réponds pas. Elle va avoir des ténèbres. Que comme tant que là-bas, je vais vous détruire, vous tous. Je sais soit m'asseoir sur les gens, même étant seul, je m'en fous. Ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je vous dis que la première personne, femme qui publie la dignité des femmes ici à Facebook, c'est Lolo Nfondja. À quand vous faites attendre l'eau, c'est toi. Et tu vois que je mens maintenant. Je mens. Tu avais que tu as mes photos, non? Tu as mes photos, non? Avec ton clitoris qui pend. Tu as même mis une de mes photos nues à Facebook. N'oublie pas que tout le monde va pas. Tu m'as aussi mis ma photo à Facebook. Non. Ouais. Allô? Maman, ma fille, allô? Tu as oublié?